You know, okay. Dans c'est comme ça que la mort fait. Non, that's how death feel like. Quand tu meurs, c'est comme ça que ça te fait. Welcome back to my channel, coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera pour de ma paralysie du sommeil. Et aujourd'hui c'est le 1er novembre, je devais poster cette vidéo le jour d'Halloween qui était hier, le 31 octobre. Mais genre par le son de ma voix, vous pouvez savoir, j'ai été malade, j'avais la grippe et j'ai une toux qui est en train de vouloir commencer. Donc je me suis assurée de filmer cette vidéo pour au moins la poster d'ici ce week-end, donc d'ici dimanche qui serait le 3 novembre. Ok, et aussi si vous êtes nouveau sur ma chaîne, assurez-vous de liker la vidéo, partager et aussi n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit les go, c'est gratuit les gars, assurez-vous de le faire. Et aussi suivez-moi sur mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Twitter et Snapchat, je serai juste en bas sur la barre d'infos pour votre convenance et puis on peut commencer. Donc, cette histoire a eu lieu quand j'étais au travail. Genre, je travaille dans une maison en fait. Et cette maison-là est toujours cold. Genre, la maison, il fait toujours froid dans cette maison. Elle est toujours genre noire. Vous voyez, genre, les maisons qui m'avaient les lumières. Genre, c'est un peu toujours sombre. Genre, je travaille pour une fille. Genre, ce jour-là, normal, elle a nap time. Genre, le temps qu'elle peut un peu se reposer pour une, deux heures de temps et puis elle redescend. Donc, ce jour-là, j'étais assise d'abord sur le canapé. Et puis, quand j'ai vu comment elle est montée se reposer, j'ai décidé donc, ok, peut-être je vais un peu prendre quelques minutes aussi de sommeil, genre j'en ai vraiment besoin et tout, parce que je fais de longues heures de boulot, quoi. Donc j'ai dit, ok, je vais aussi fermer un peu l'œil. J'ai décidé donc de me coucher, tu vois, quel monde, je suis d'abord assise, quel monde, je me couche un peu sur le canapé, et puis je commence à regarder mon téléphone. Moi, je suis une personne qui voit la télé, de nature. Si je me vois devant la télé, c'est soit quelqu'un a mis, et puis ça a pris mon attention, je suis restée devant la télé, ou bien je suis avec quelqu'un, ou bien il y a un film que on voit en groupe et je suis juste là. Mais si tu vas jamais me voir, genre, prendre la télé, comment, genre, je cherche un truc à voir à la télé, non, c'est pas moi. Je suis toujours sur YouTube, en fait. YouTube, c'est ma télé pour moi. Donc, je me suis couchée, j'ai décidé de commencer à feuilleter YouTube, regarder ce qui est en train de trend, ce qui est à la mode. C'est un peu comme ça que je cherche aussi les idées, quoi, sur les vidéos que je vais filmer. Je regarde sur YouTube. Je supporte aussi d'autres YouTubeuses et YouTubeurs, donc je regarde leurs vidéos et qu'on sort, donc c'est comme ça que je cherche le sommeil. Même quand je suis à la maison, c'est juste comme ça. Je dois feuilleter mon téléphone pour m'endormir un peu plus rapidement. Si je me couche juste sur le lit, ça va être vraiment difficile en fait. Bref, c'est ça que j'ai commencé à faire. Je m'endors maintenant. Pendant le sommeil, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si j'ai eu un rêve ou un cauchemar, je ne sais pas. Mais à un certain niveau, j'essaie d'ouvrir les yeux. Quand je les ouvre finalement, je veux soulever mon bras, ça ne se soulève pas. L'autre bras, ça ne se soulève pas. Je veux bouger mes pieds, je n'arrive pas. Ha! You know, ok? Donc, c'est comme ça que la mort fait. Non, that's how death feels. Like, quand tu meurs, c'est comme ça que ça te fait. Je veux d'abord vous dire que ce n'est pas la première fois que j'ai eu la paralysie du sommeil. J'en ai déjà eu avant. Mais cette fois-là, c'était quelques secondes. Et puis, quand je commence à prier dans ma tête, je me réveille. Mais cette fois-ci, c'était longue. C'est pourquoi je veux m'assurer de vous raconter d'abord cette paralysie du sommeil-ci. Parce qu'elle était vraiment longue. Et j'ai senti comme si, même quand je priais dans ma tête, ça prenait assez de temps pour que je me réveille. Bref, je vais vous expliquer pendant l'histoire. Et puis, je veux bouger mon corps, je n'arrive pas. J'ouvre ma bouche pour crier « Help », je n'arrive pas. Mais mes yeux, je peux bien regarder de côté. Donc, de côté, je peux regarder. De côté, je peux regarder. Genre, en regardant de l'autre côté droit, je pouvais voir le dining room, genre la salle à manger. Et puis, le côté gauche, c'était genre le derrière du canapé, en fait. Donc, je regardais de côté. Mes yeux bougeaient. Ma bouche s'ouvrait et se fermait, mais le son ne sortait pas. Et mes membres ne bougeaient pas. Dans ma tête, j'ai dit que ah, peut-être mon esprit est en train de quitter de mon corps. C'est comme ça que la mort vient. Genre, je pensais déjà crazy, genre normalement ça m'arrive quelques secondes, je dis quelques mots, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, boum, je suis debout. Mais cette fois-ci c'est en train de prendre un peu plus longtemps. Et cette fois-ci aussi, je me suis assurée de forcer, genre je voulais vraiment sortir de cette phase-là de moi-même en fait. Et je crois aussi que c'est la raison pour laquelle elle a duré si longtemps en fait. Parce que je crois que si genre je faisais comme d'habitude peut-être, ça allait pas être si long en fait. Mais cette fois-ci j'essayais vraiment de me battre quoi
pour sortir de cette phase-là, mais ça ne donnait toujours pas. Bref, je vois maintenant la fille avec qui je travaille, genre la fille pour laquelle je travaille en fait, descend, ok? Elle s'assoit. Je vous ai dit, je peux voir le côté, donc elle s'assoit à la salle à manger. Donc son dos me regarde. Et puis elle se tourne. Attends, je vais me retourner, vous regarder. Elle se tourne, elle me regarde. Et puis elle se retourne. Quelques secondes après, elle remonte à sa chambre pour aller se coucher. C'est ce que moi j'ai vu pendant cette histoire-là. Pendant que j'avais parlé du sommeil, c'est ce que moi j'ai vu. D'habitude, quand ça m'arrive, je suis dans ma chambre, je ne vois personne. Après, quelques secondes après, je suis debout. Mais cette fois-ci, j'ai vu toute cette action-là. Donc, cela veut dire que, hey, d'habitude, ça ne m'arrive pas, je ne vois personne. Donc, cette fois-ci, la fête, si c'est chaud, genre, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Genre, maintenant, j'ai peur. Ce n'est plus la qualité que, ok, bientôt, je me réveille. Pendant qu'elle m'a regardé, je me rappelle, j'ai fait comme ça, help. Genre, je voulais dire help. Je veux ma bouche, mais le son ne sortait pas dans ma tête. J'ai dit que, tu vois pas que ma bouche bouge, genre, viens m'aider. Bref, et puis elle est montée se coucher. C'est là où j'ai dit que, ok, il est l'heure de commencer à appeler tous mes dieux, tous les gens que je connais de la Bible. J'ai commencé à appeler Seigneur Jésus, God, oh. J'ai appelé la Vierge Marie, oh. J'ai appelé les anges, oh. J'ai appelé les archanges, oh. Tout le monde là, de la Bible que nous on connaît là. Ils étaient tous là, je les ai cités. J'ai commencé à prier, Seigneur, aide-moi, lève cet esprit qui est dans mon corps. Je commence, ha, je suis maintenant tournée, pasteur Ghislaine est sorti, ha, je prie, je prie, je prie, je prie, ha. Jusqu'au point que finalement, whatever it is, genre, mon corps finalement peut bouger, genre, je soulève ma main, ça se soulève. Et puis, et c'est quand c'est, je sais pas si c'est juste moi, mais quand mon corps arrive à bouger, c'est comme si je sens quelque chose qui est en train de quitter sur moi. Genre, c'est un peu comme un soulagement de tout ton corps, et puis tu commences encore à bouger. C'est comme ça que ça moi, c'est mon expérience à moi en fait. C'est comme un soulagement, et puis maintenant, je sens que je peux commencer encore à bouger. Je me suis levée alors. Je regarde le canapé. Le canapé de me regarde. Une fois de plus, mes collègues et moi, normalement, d'abord, genre de nature, genre, qu'on travaille souvent ensemble, sans que cette histoire ne m'arrive. On cause comment, peut-être que la maison aussi est bizarre, tu vois, un peu, genre, peut-être c'est hanté parce que il fait tellement froid dans cette maison-là. Même quand on met le heat, non, il fait froid. Et aussi, c'est trop noir, en fait, genre, même avec les lumières allumées. C'est trop noir dans cette maison-là. Donc, on dit toujours que oh, peut-être que la maison c'était une maison bizarre, genre, peut-être c'est hanté, un truc comme ça. Genre, on se dit toujours des trucs comme ça, mais en blaguant, tu vois. Et dans mon cœur, il dit que je regarde le canapé, le canapé, je regarde le canapé, dans mon cœur, il dit que le canapé, si tu voulais me faire quoi comme ça. Après, j'appelle maintenant ma copine, ma collègue avec qui on travaille. Je lui dis, elle me dit que je sais, pardon, ne dis pas ça. Elle dit que non, ça vient de m'arriver, ma chérie. Et bien sûr, j'appelle ma mère. Ma mère, c'est ma pote, c'est ma meilleure amie. J'appelle ma mère, je dis à ma mère, maman, guess what? Ce qui vient de se passer, j'explique à ma mère comment ça arrive. Elle dit que tu es dans votre travail, tu dors quoi? Ma mère dérange. Elle me dit que tu es au travail, tu dors là-bas quoi? Elle dit que non, maman, je voulais juste dormir pour 45 minutes. Genre, la cliente normale, elle monte, elle dort 1 heure, 2 heures avant de redescendre. Elle dit que ok. Elle m'a mis mon alarme en passant pour que j'allais me réveiller dans 45 minutes, sérieusement. Genre, c'était un truc sérieux. Je voulais juste fermer le pour quelques minutes en fait. Après, ma mère commence à rire. Ma mère dit que tu crois que tu mourrais, on est venu trouver ton cadavre couché sur le canapé au travail. Ce n'est pas amusant. Maman me sauve. Genre, ma mère est tellement marrante. Ma mère, c'est une personne que si tu es un peu down ou bien tu es sad, elle va s'assurer de faire que tu ris, genre que tu deviens encore contente. Donc, c'est juste comme ça qu'elle est. Donc, j'ai commencé à rire et tout et tout. J'ai dit à ma mère que cette fois-ci, je fais mes recherches, genre trop, c'est trop, genre cette fois-ci, je fais mes recherches. Ma mère me dit que oui, vas-y, depuis, je crois que tu devais le faire, genre fais tes recherches en fait. Et puis, c'est là que j'ai fait mes recherches et depuis ce jour-là, je n'ai plus eu la paralysie du sommeil. Bref, j'ai fait des recherches, c'est là où j'ai appris que c'est. Ça s'appelle me la paralysie du sommeil parce que j'étais juste sur Google. J'écrivais des trucs bizarres. Tu vois, quand tu paniques, là, tu écris juste ce qui soit. Avant que j'ai vu les gens qui parlaient maintenant, sleep paralysis et en français, c'est la paralysie du sommeil. Donc, c'est là où j'ai fait mes recherches et puis j'ai posé des questions parce que ma soeur, à l'école de médecine, genre, je lui ai posé des questions et puis elle m'a donné aussi, on appelle ça le point de vue venant du docteur en fait. Genre, comment le docteur va m'expliquer ça et tout et tout. Et puis j'ai finalement compris que ce n'est pas le witchcraft comme je croyais, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le voodoo, genre c'est un truc, un stage pendant ton sommeil, quoi, 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 quoi. Bref, yeah, c'était tout. Et
Depuis ce jour-là, je prie que je n'ai plus le sleep paralysis, c'est sérieusement, genre la paralysie du sommeil, c'est un truc qui est vraiment effrayant. C'est vrai. Maintenant que je raconte, je peux me ricaner. Parce que quand cela m'est arrivé, je croyais franchement que je partais, en fait. Je croyais que, genre, d'ici, je suis en train de mourir et mon esprit est en train de sortir de mon corps, c'est tout. Si vous voulez voir d'autres story time à propos des autres paralysies du sommeil que j'ai eues avant celle-ci, assurez-vous de me le faire savoir dans les commentaires juste en bas et aussi liker la vidéo et partager cette vidéo. Et aussi n'oubliez pas de commenter juste en bas si vous avez déjà eu les paralysies du sommeil et comment c'est passé. Genre racontez-moi comment ça s'est passé et je vais m'assurer de répondre à vos commentaires. On va discuter dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner une fois de plus. Genre si tu as vu la vidéo jusqu'à ce point, si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu fais mon bébé? Genre quel est le projet en fait? Assure-toi de t'abonner, c'est gratuit. Aussi, assure-toi d'activer ta cloche de notification pour que tu puisses rester update et tu puisses être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aussi, n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Twitter et Snapchat. Ce serait dans la barre d'infos juste en bas pour ta convenance. Et à la prochaine, je t'aime. Bye!